pas un petit être requin, mais seulement. Donc, il connaît requin, allume la tête en masse salée. Explique à nous le recette, tu vois. On va trouver pour. De toute façon, mon petit être requin est dans le fusil à dire. Tenez alors. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne suis pas dans un calendrier politique. Je suis pas dans... je suis dans un calendrier humain. La vie humaine d'abord. C'est tout. Sur la pêche et la commercialisation de la pêche, la chair de requin. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est des solutions. Non, ça niveau. Les filets, il y en a des soucis. Pourquoi, Joseph? Parce que c'est les écologistes qui ne veulent pas que nous revient comme avant. Vous comprenez qu'on avait la pêche traditionnelle. Vous n'avez pas rien. Vous n'avez pas un. Est-ce que vous n'avez de problème quand t'es marmaille ou t'es bête, toutes de monde, t'es bête, nous t'es vive. Est-ce que de monde, marmaille, petit marmaille, n'avait besoin ni la mairie pour pleurer, n'avait besoin hanter à vos bonnes camarades. La fois prochaine, il vient avec Laurent. Il n'a plus de bras, il n'a plus de jambes. Je vous montre la carte des attaques. On a des éléments pour dire qu'on ne paye pas. C'est ça le problème. On va montrer la carte des attaques. La mer, c'est important pour une île. C'est juste ça qu'on veut. Ça, les pas acquis. Les mêmes pas acquis, ça, Joseph. Bonne narcos, bonne couillot, diaou. Requin est dans la mer. On a eu 3 morts sur la planète. De la Réunion. De. C'est pour 2017, ça. Nana, 40 millions de surfeurs. Nana, 200 millions de baigneurs. Tous les jours dans l'eau, on en a des millions de personnes. Nous, on n'a plus personne, on n'a rien que gendarme sur la plage. Regarde, requin dans le lagon, on a failli quoi que Marmaille Landry. On a deux joueurs, il est obligé de lancer roche dessus. Mais jusqu'à où nous, ça va, comme un Joseph? Excusez-moi, monsieur Sinimalé, hein. Il porte Budel. Vous connaissez Budel? Je suis un marmaille d'ici. J'ai juste une question à vous poser. Où ça nous, ça va là? Quelle marmaille on va nourrir là? Comment je vais nourrir mes enfants? Quel travail je vais aller faire? Tout est en train d'échapper. Je parle anglais, je suis bilingue, monsieur Sinimalé. J'ai 2 diplômes. Le centaure là-haut. Où ça, toute mon armée, ça, Isara, là? Dis-moi un petit coup. Ça pille toute bonne zozola, hein? Mais Djaou, fais attention. Au niveau sociologique, on est dans un grand virage. C'est en train de prendre un tournant important que les autres n'ont pas visualisé. Je voulais au moins vous demander où ça nous, ça va, nous, marmaille de là, là. Où ça nous, ça va? Ben, Isara, il chape. Bon, mais nous reste là. Comment je vais nourrir ma femme? Comment je vais nourrir mon marmaille? Bien sûr. Alors que j'ai tous 2 diplômes, j'ai les touristes qui passent devant moi et devant moi je peux rien faire. Mais regarde, vous êtes passé avec cette valise là, pareil, gommée, au milieu du chemin. Ben on a tous un gros souci là. Joseph était sur les barricades en 2007, raconte à Zot, quand on avait la réserve. Il a défendre ou empêche la réserve. Mais seulement surfeur, nous t'es couillons. Surfeur nous l'a dit. La réserve, bravo, merci. Tu comptes la réserve. Mais oui. Tu comptes la réserve au Conseil Général. Moi, j'étais contre la réserve. Moi, j'étais tout seul contre la réserve. Elle me connaît, mais maintenant, elle n'est plus tout seul contre la réserve. Personne n'a pas su le moment quand on a été contre. Mais oui, mais t'es tout seul, nous ne l'avons pas perçu. Non, mais là, aujourd'hui. Le TCP aussi, moi, j'étais contre le TCP. Alors, tout cela, on soulève tout ça. Ça s'appelle l'injustice. Parce que si ce n'est pas la France plus belle à nous, comme à nous serions dans un autre pays, Joseph, depuis longtemps, le problème était réglé. C'est cher. Pourquoi le gars a dit quand on a eu le problème, la guerre attaque, on a là, et il protège la nature, il a dit requin dangereux, ok, les bons, nous trappe, nous mange, chute nez. Ici, requin dangereux, nous mettent la balise, nous relâche devant Boucan et nous regarde de monde baigné. C'est pas normal. Comment nous peut accepter ça? Et vous parlez-moi d'humanisme. On veut juste baigner dans la mer et nous les considérer maintenant comme si nous étions des délinquants, nous volent, nous tiers. Comme là, si nous roulons 200 km sur la route. Mais c'est quoi le délire? Nous voulons juste baigner.